ça y est, t'es d'attaque. T'es prêt. J'ai démarré la caméra là. Thank you.
Ah, mais t'inquiète. Tu vois, la dernière fois, on a pris la flotte. On a vu plein de bêtes, mais alors là, tu vois, on a bien fait d'attaquer là. Hein. Tu crois que je le connais pas un peu, mon territoire ? De ta carabine, regarde. Bah, elles sont mortes. Elles sont mortes, non. Bon. Bon, les amis,
Donc cette fois-ci, on a eu un peu plus de chance. La dernière fois, on est venu, il avait plu toute la journée, et avec Bruno, on n'avait pas pu approcher les mouflons correctement et les agneaux. Et aujourd'hui, on a un ciel très clair. On a un ciel clair, et juste quand on a attaqué, on tombe un coup de chance. Et ben là, c'est la chance. On attaque le col, et puis on tombe sur mouflons et agneaux. Donc il a pu effectuer son tir, il s'est calé sur le sac à dos. Et il a effectué son tir à 90 mètres. La balle, moi, pour moi, elle est bonne parce que j'ai vu qu'apparemment elle est au cœur. Donc voilà. Donc, avec ce magnifique tir, petit agneau de l'année. Donc voilà, on va aller voir ça. Ouais. En fait, tu me dis d'y aller. Et puis, je suis pas très bien calé sur le. Ouais, mais c'est un peu mou. Tu poses ta carabine sur le sac et faut que tu mettes ta main sous ta crosse pour vraiment plus bouger en fait. Ouais, parce que je la tenais, j'avais trop serré et ça bougeait avec. Ah non, mais tu vois, petit agneau de l'année. Ouais. Ouais, ça, c'est l'apprentissage. Ouais, non, mais attends. Bon, on va lui rendre les honneurs. Hein. Je crois que ça. Et voilà. Félicitations, mon ami. Ton premier agneau. Mon premier agneau. Ouais, plein cœur, je t'ai dit. Ici la dernière bouchée. Ben voilà. C'est pas beau ça? T'es content? Ah ouais, mais là parce que. Même pas le temps de trembler. Ouais, mais j'ai dit, bah, des fois ça se passe. Tu vois la belle balle, tu lui tires un petit peu en haut. Ouais. Et elle passe dans le cœur. Hein. C'est parce que je ne sais pas. Voilà. J'aurais pu le tirer, donc on dirait bien. Mais c'est vrai que le tir d'en haut, ouais. En fait, ouais, il faut tirer un peu en haut. Effectivement. Ah bah oui, parce que t'en haut. Je le sais, mais au moment du tir, je suis pas. Il faut être habitué, quoi. Bon, je vais lui mettre le bracelet. Bah oui. Bon bah voilà. Et ben je suis bien content. Là tu as fait une belle balle là. Ouais, parce que. Il est 8h. 8h à jour. Oh, faut pas. Allez, mais bon. Franchement, une première balle, j'aurais coûté péter le. D'ailleurs, ils sont par la côte, hein. Tu vois, on les a pas des. Ah, mais ils y sont encore, ils sont à droite, d'ailleurs. Tu vois, juste en face de toi, ils sont. Ouais, mais regarde. Dans le foncé, ils sont toujours. Ouais, regarde, ils sont dans la pente, là, regarde. C'est un autre groupe, alors. Ah, ouais, c'est un autre groupe. Ça va pas loin d'une dizaine là. Voilà notre belle montagne. Voilà mon petit terrain de jeu, Bruno. Ça te plaît un terrain de jeu comme ça? Ouais. Hein? Ouais, mais ça. Tu vois? Est-ce qu'il y a? Ça, c'est le groupe à qui on a projeté l'agneau. Ouais. Ouais. Là, il y en a au moins 10 là. J'en vois 10 à peu près. Là, il y a ce qu'il faut encore. Ah, ouais, là, il y en a 10 là, à peu près. Il y en a juste sur la pente et plus sur la droite, il y en a encore.
Ah, il y en a, je vais te dire exactement combien. Merde, j'ai plus mes jumelles, bah, c'est pas grave. Mais t'as à peu près une dizaine là. Là, je les vois là. Ah non, 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 il y en a plus que ça. T'en as, en bas, t'en as 4 ou 5. Et en haut, t'en as 4, 5, 6 à peu près. J'ai dit, t'en as à peu près une dizaine. Bah, allez. Bon, bah voilà, les amis. Bon, bah voilà. Hein. Bruno, il a pu effectuer son tir à 90 mètres. Et maintenant, bah, l'agneau, il est dans ce petit sac à dos. Marcor de chez, on va dire de chez Ovini, parce que quand j'ai vu les vidéos d'Anthony avec ses sacs à dos, je me suis dit je vais m'en offrir un aussi. Donc voilà, c'est assez pratique. Par contre, ça fait son poids quand même. Hein. Je crois que c'est large. Je commence à tirer. Allez. Bruno, présente-moi ta carabine parce qu'on ne l'a pas présentée. Parce que bon, pour les internautes qui me suivent, ça leur permet de choisir un peu leurs armes aussi. Alors explique-moi un peu, qu'est-ce que tu as comme calibre? C'est une carabine que je viens d'acheter. J'ai remplacé ma vieille 7.64 Tika ancienne que j'ai achetée quand j'étais jeune. Qui m'a donné beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et c'est une Merkel RX Helix en 30.06. Et je tire à une munition, c'est la RVS, l'idée classique. Idée classique. Idée classique, donc expansive. Pointe plastique.